Voilà, bienvenue à chacun, chacune d'entre vous. On va se mettre debout dans la présence de Dieu. On salue également les internautes sur le net. Soyez tous et toutes les bienvenus. Ça va ce matin? Alléluia. Bon, là, peut-être que les chutes de température vous ont un peu glacé, mais ça va aller, ça va aller, ça va remonter naturellement. Je suis très très heureux d'être avec vous ce matin. Je crois que le Seigneur ce matin encore va nous bénir, nous visiter, nous rafraîchir, nous faire du bien. Amen. Le Seigneur est ici, le Seigneur est là. La Bible dit qu'il s'appelle Yahweh Shammah. Le Seigneur est présent, il est présent dans ce lieu. Et je crois que ce matin il va nous visiter par son esprit, il va nous rafraîchir, il va venir. Il est là déjà. Amen. La Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent au milieu d'eux. Nous sommes venus pour recevoir sa parole, un temps de louange, mais nous sommes venus pour lui offrir aussi un sacrifice de reconnaissance. Nous voulons adorer, célébrer notre Dieu ce matin. Il est présent dans ce lieu et nous voulons vraiment lui dire à toi la gloire. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin pour adorer le Seigneur? Vous êtes prêts, on s'est préparé que ce matin le Seigneur soit glorifié dans sa maison. On va prendre un temps de prière, présenter ces moments au Seigneur et même cette journée, que toute cette journée soit bénie par la main de Dieu, par la grâce de notre Dieu. Amen. On se recueille quelques instants avec les bien-aimés également sur le net. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu es ici ce matin. Tu es Yahweh Shammah. Tu es l'Éternel présent. Et nous te demandons, Seigneur, ce matin, de venir nous renouveler, de venir nous rafraîchir par le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir, Seigneur, un ciel ouvert. Seigneur, et je prie afin que tous les bien-aimés qui vont venir tout au long de cette journée, qu'ils puissent dans ta maison être béni par toi, béni par ta présence, béni par le Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, qu'il n'y ait pas de limite à ce que tu veux faire. Je te prie que toutes les limitations soient brisées dans le nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, que ce soit extérieur ou même dans nos cœurs, soit brisé au nom de Jésus, consumé par la main de Dieu, par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons être conscients ce matin de ta présence. Nous voulons, Seigneur, te prier également afin que tu nous aides à t'offrir un sacrifice de reconnaissance. Seigneur, nous ne voulons pas rester concentrés sur les problèmes de la vie et de l'existence, mais ce matin, nous voulons avoir les yeux fixés sur Jésus. Seigneur, sois élevé ce matin au milieu de nous. Sois glorifié ce matin au milieu de nous. Seigneur, nous sommes un peuple de sacrificateurs. Nous sommes ces adorateurs en esprit et en vérité que tu recherches. Et nous te disons ce matin, merci pour ta mort, mais bien plus, merci pour ta résurrection. Tu es vivant, notre Dieu, notre Père, et nous te célébrons au siècle des siècles. Nous glorifions le nom de Jésus. Alléluia, on dit un grand Amen, on acclame Jésus et on célèbre notre Dieu. Amen. Allons faire résonner le nom de Jésus. C'est le nom au-dessus de tout. C'est celui qui sauve, c'est celui qui guérit. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent.
notre Dieu est grand. C'est le seul vrai Dieu. Il surpasse tout. Il surpasse les cités. Son règne est sans égal. Il porte le nom de Jésus. Shalom et ta paix, oh Dieu, on va laisser, Dieu, on va laisser.
ce Dieu tout-puissant, à ce Dieu qui nous a sauvés et qui prend soin de nous jour après jour. Il mérite l'adoration de nos cœurs. Il mérite que ce matin nous tournions les regards vers lui. Que vraiment nous, d'un cœur sincère, nous lui apportions notre louange. Seigneur, je t'adore.
je t'adore, Seigneur, je t'adore, Dieu Saint, toi seul es le Dieu. De la scène, nous allons partager une lecture dans 1 Pierre 3, verset 18. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de conduire, de vous conduire, de nous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Un peu plus loin, tout cela est possible grâce à la résurrection de Christ, qui, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu, et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. Notre Sauveur règne. Il règne. Paul en a été témoin. Apocalypse 5, verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les quatre êtres vivants disaient « Amen » et l'église de ciel ouvert dit « Amen » et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alors que nous partageons ce repas, que vraiment nous puissions nous rappeler cette œuvre à la croix de notre Seigneur et Sauveur, et que nous puissions nous joindre au chant des anges et louer et adorer celui qui est digne, celui qui trône. Thank you.
l'occasion, à travers ce chant, à travers la louange,
l'éternité. Qui peut exprimer ce dont tu es digne? Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Captivé par ta présence, je désire. Cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé au-delà de tout ce que tu peux faire. Je veux ton cœur, je veux ton. Me combler, je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Que ce matin ce soit le cri de ton cœur, que tu désires que le cœur de Dieu, lui veut ton cœur tout entier. Et tu le sais, tu ne peux pas être comblé avec les choses du monde. Seul Dieu peut te remplir, seul Dieu peut te combler, que tu puisses vraiment t'abandonner à lui, lui redonner ton cœur, lui redonner ta vie. Je veux ton. Pour t'adorer.
Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur pour sa bonne présence au milieu de nous, pour sa présence puissante qui est agissante. Amen. Gloire à Dieu. Je vais donc faire quelques informations pendant que les frères passent pour les offrandes. Je rappelle que demain, donc à 15h, il y aura les aînés qui se retrouvent pour un moment de communion fraternelle et de partage autour de la parole de Dieu. Amen. Je voudrais également signaler que demain soir, à 19h, il y aura le dernier cours de baptême. Donc demain soir, à 19h, qui donc prépare bien sûr les baptêmes pour début avril. Je voudrais également signaler les réunions de cette semaine. Donc l'étude biblique cette semaine exceptionnellement est annulée. Il y aura en revanche les réunions de prière bien sûr habituelles, mais l'étude biblique est annulée puisque nous aurons l'assemblée générale à la place. Donc ce mardi. Donc si vous avez pas reçu votre convocation, il est toujours temps de la demander au point info pour mardi, que vous puissiez venir à l'Assemblée générale si vous êtes membre, bien sûr, de l'association. Je voudrais également signaler donc, que cette Assemblée générale culturelle sera suivie de l'Assemblée générale culturelle de Aimer, c'est agir. Donc, on vous donne rendez-vous pour ceux et celles pour qui ça intéresse la vie associative de l'Église. C'est à 19h30, même si vous n'étiez pas membre et vous souhaitez être là, voir comment eh bien, les choses se passent. Vous pouvez toujours, bien sûr, venir et assister aux assemblées générales. La différence entre Aimer, c'est agir et l'Église, c'est que Aimer, c'est agir, il y a une petite participation financière, puisque c'est l'association culturelle de l'Église.
Si vous avez des questions, vous pouvez toujours vous rapprocher des frères et sœurs donc, qui sont membres du conseil d'administration et ils vous donneront toutes les réponses dont vous avez besoin. Je voudrais également signaler, entre elles, vous donne rendez-vous samedi 30 mars à 14h30 pour un temps entre femmes, voilà, les sœurs, au programme un temps de louange et un message qui sera porté par Martine Lévy intitulé « La joie de Dieu malgré les circonstances ». Voilà, Christian et Martine seront avec nous dès la fin de semaine prochaine. Donc vous pouvez bien sûr prier pour cette mission avec monsieur et madame Lévy, Christian et Martine. Donc ça sera du 29 mars au 5 avril. Donc je les reçois, et même un peu plus, parce qu'ensuite ils iront à Rouen-Cauville pour l'autre week-end. Donc si vous souhaitez, comme ils viennent à la maison, si vous souhaitez m'aider pour la cuisine, mes sœurs, voilà, je sais qu'au milieu de nous, il y a des sœurs qui font bien la cuisine. Donc, si vous voulez bénir le couple pastoral, Christian et Martine, et en même temps me bénir à moi, eh bien, vous pouvez aller ce matin au point info et notre sœur Sonia prendra les inscriptions pour qu'on puisse eh bien, ensemble organiser tout cela. Je voudrais également signaler, les adolescents se retrouveront également donc, le dimanche 31 mars à 17h prochain. Donc pour cela, si vous avez des questions pour les adolescents, vous pouvez vous rapprocher de Manu Brechini. Le Pôle Enfance également organise une après-midi pour les enfants des églises de la région à partir de 5 ans, le samedi 13 avril, avec des ateliers, des chants, un enseignement biblique interactif et bien d'autres surprises attendent tous les enfants, voisins, amis, familles, etc. Pour participer, il sera nécessaire de s'inscrire via le lien Hello Asso. Si vous ne l'avez pas reçu ou pour plus de renseignements, vous pouvez contacter notre sœur Virginie Matteux, qui est responsable du pôle enfance. Il y aura également, on donne un peu de perspective, pour le pôle enfance, un mini-camp prévu les 18, 19 et 20 mai. Il est ouvert aux enfants de 6 à 12 ans. Les inscriptions sont d'ores et déjà disponibles auprès toujours de notre sœur Virginie. Donc vous avez remarqué, on a placé au point info donc, des bien-aimés à chaque culte, à chaque réunion. N'hésitez pas à aller si vous avez besoin. Je voudrais également signaler que nous sommes rentrés avec Camille du Congrès national des Assemblées de Dieu de France. Voilà, Camille donc a déposé ses formulaires, ils ont été acceptés et donc je donnerai une information particulière mardi à l'Assemblée générale concernant l'avenir de Camille, voilà, qui va poursuivre un petit peu plus loin donc sa formation. Si vous voulez savoir, venez mardi, ou sinon je le dirai, bien sûr, dimanche prochain, c'est pour coïncider avec l'Assemblée où il va aller. Je vois qu'il y a Marc et Christine qui sont là, Antoine, voilà, donc on les salue, on peut les saluer, vous pouvez mettre debout, voilà, mettez-vous debout Marc et Christine, voilà, soyez les bienvenus ce matin. Marc a été pasteur il y a un peu plus de 12 ans en arrière, maintenant ici à l'église de Saint-Étienne du Rouvray. Et puis, ce que je peux dire aussi, c'est concernant le congrès. On a eu un bon congrès avec des bonnes réunions. Et désormais, notre frère René Delattre, qui a été donc le président des Assemblées de Dieu pendant combien ? 5 ans, c'est ça ? Non. 5 ans, merci. Donc, a passé le relais à Yann Antoine, qui est donc le fils de nos bien-aimés. C'est désormais Yann qui est responsable donc du mouvement, avec bien sûr un collectif autour de lui. Je voudrais aussi signaler donc que la semaine dernière, vous l'avez vu, j'ai brillé par mon absence, mais j'étais à Moulins et à Nevers, donc deux belles assemblées où j'ai animé quelques jours de réunion. Et donc les frères et sœurs là-bas vous saluent fraternellement, une belle église là-bas dans le centre de la France. Et on a pu vivre de bons moments, on a partagé ensemble sur la vie de l'esprit et la croissance de l'église. Je voudrais indiquer également que notre frère Jean-Pierre Lefrançois
a rejoint la patrie céleste, il a rejoint le Seigneur. On a été informé hier matin, donc il est parti hier matin. Nous prions pour la famille. On n'a pas encore les renseignements concernant donc le jour et l'heure de la cérémonie d'obsèques, mais elle aura lieu ici. On essaiera de communiquer via le secrétariat par un WhatsApp ou autre de façon groupée pour que vous puissiez avoir toutes les informations. Je voudrais également signaler un sujet de prière avant d'ouvrir ensemble la parole de Dieu. On va prier, c'est notre frère Benjamin Peter Schmidt qui nous a demandé de prier. Vous savez ou vous ne savez pas, mais nous sommes partenaires de l'église Porte Ouverte. Il y a plusieurs églises, un réseau d'églises partenaires. C'est sans logo, sans nom et donc sans égo également. Donc il n'y a pas de, avec des partenaires de tout horizon et de tout mouvement. Et ensemble, on partage la communion fraternelle et des réflexions également spirituelles. Donc, notre frère demande, pourrais-je vous demander de prier avec vos églises pour Raphaël ? C'est un jeune homme de notre assemblée qui a eu un accident cette semaine. Une vertèbre a été sectionnée et deux autres ont été touchées. Actuellement, il ne sent plus son corps en dessous du nombril. Prions pour un miracle. Il est marié, père de deux enfants. Vous voulez bien qu'on prie pour Raphaël, pour cette famille ? On va prier aussi pour les obsèques. Donc, qui auront lieu cette semaine de notre frère Jean-Pierre Lefrançois. On peut se mettre debout une dernière fois et ensuite on plonge dans la parole de Dieu. Seigneur, merci parce que tu es là ce matin, tu nous as visités par ton Saint-Esprit, tu nous as visités par ta puissance. Seigneur, oui, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, c'est là que tu envoies la bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous avons senti ton amour, nous avons senti ta présence au milieu de nous. Merci d'être toujours là, Seigneur. Merci d'être toujours là à nos côtés. Et Seigneur, ta parole déclare que tu es aussi près de celui qui souffre, près de celui dont l'esprit est dans l'abattement. Et nous te prions ce matin pour ce bien-aimé Raphaël qui a eu un accident, dont la vertèbre a été fractionnée. Seigneur, nous te demandons de lui faire grâce. Nous te demandons de le bénir. Nous te demandons de bénir sa famille dans le nom de Jésus. Oui, nous croyons que tout est possible à Dieu. Nous croyons que tu es tout puissant. Seigneur, nous voulons vraiment nous unir ensemble d'une même voix et te demander de bénir ce bien-aimé par la puissance du nom de Jésus. Bénis également, Seigneur, ses enfants, sa femme. Donne-leur la paix, Seigneur, surnaturelle, qui surpasse toute intelligence. Bénis également la famille de Jean-Pierre Lefrançois. Seigneur, nous savons que notre frère t'a rejoint. Nous savons, comme disait Abraham, il est ici consolé, Seigneur, et nous prions pour les siens qui sont restés, pour ses enfants, pour cette cérémonie d'obsèques cette semaine, que ta grâce se manifeste avec puissance au milieu de nous. Alléluia, et que des cœurs soient touchés, que ces bien-aimés reviennent dans ta maison, au nom de Jésus. Bénis également le reste de ces moments, bénis ta parole, Seigneur, qu'elle puisse toucher nos cœurs, nos vies, nos âmes. Seigneur, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors nous te disons merci, Seigneur, pour ta fidélité. Nous te disons à toi la gloire, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je vais vous inviter à ouvrir la parole, si vous voulez bien, dans la première épître de Jean. Première épître de Jean, et nous allons lire au chapitre 2. Première épître de Jean, au chapitre 2, et au verset 12. 1 Jean, chapitre 2, et au verset 12. Il est écrit ceci. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Amen. Ce matin, je vais vous parler encore un petit peu de croissance, de développement, pas de développement personnel, mais de croissance spirituelle. Dans ce texte, l'apôtre Jean évoque trois niveaux de croissance. Les petits enfants, les jeunes gens et les pères.
On pourrait évoquer ou parler de 3 degrés de maturité. Vous savez, je crois que chaque saison de la vie est belle. Ça va, vous êtes là ? Chaque saison de la vie est belle. Même si on préfère le printemps à l'automne ou l'été à l'hiver, tout est utile. Même quand les feuilles mortes tombent des arbres et qu'il fait très froid, Dieu est un Dieu de variété, de diversité. Et je crois que chaque saison sont belles, mais aussi utiles. Et chaque stade de la vie chrétienne est important. Et il faut accepter le stade de la vie dans lequel nous sommes. Nous devons l'accepter et ne pas nécessairement chercher à être autre chose ou à vouloir aller trop vite. Sur le plan de la maturité, c'est une réalité. Il y a des petits-enfants, il y a des jeunes gens, il y a des pères avec de l'expérience, etc. Comme sur le plan de nos fonctions, de ce que Dieu nous a appelés à être. Je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi à cela, mais nous avons tous une position, une fonction dans le corps de Christ. Et il est important d'être libre de toute frustration. Je crois profondément que Dieu nous appelle à une place particulière, à un champ particulier, à une mission particulière, et il nous qualifie pour cela. Mais voyez-vous, si par exemple le pied voulait être une bouche, ou si la main voulait être un œil, vous ne croyez pas que ça serait dysfonctionnel et que ça serait compliqué pour fonctionner comme il faut. Nous devons donc accepter les saisons de la vie et les fonctions et les appels que Dieu nous a attribués. Est-ce qu'on peut dire amen ? Apprendre à vivre dans le contentement, apprendre à vivre avec passion, mais à discerner ce à quoi Dieu nous appelle et aussi à discerner les saisons dans lesquelles nous sommes. La Bible parle des fils d'Issacar qui avaient le discernement des temps dans lesquels Israël vivait. Ils avaient une sagesse surnaturelle de Dieu. Et l'apôtre Jean ici prend plaisir, je crois, sous l'inspiration de la grâce, à s'adresser aux petits-enfants, c'est-à-dire à ceux qui viennent de naître à la vie spirituelle. Il parle à ceux qui viennent tout juste, pas de sortir du sein maternel, vous l'avez bien compris, mais il parle à ceux qui viennent de découvrir la vie nouvelle en Christ. Amen. La Bible dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et quand nous sommes nés d'eau et d'esprit, eh bien nous entrons dans la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas seulement une quantité de vie, mais la vie éternelle, c'est la qualité dont Dieu vit. Une vie de joie, une vie de paix, une vie de victoire, une vie d'abondance, une vie de résurrection. Alléluia! Nous allons bientôt fêter Pâques. Et Pâques, c'est passer de l'ombre à la lumière, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Amen! Nous sommes venus ce matin célébrer un Dieu vivant, amen, un Dieu puissant, un Dieu ressuscité. La Bible dit Christ est mort, bien plus il est, amen. Alors comme il est ressuscité, j'ai une bonne nouvelle, nous aussi on ressuscitera avec lui. La mort ne pourra pas nous garder dans le tombeau. Et vous savez quoi? Nous allons revoir Jean-Pierre Lefrançois. Aussi vrai que je vous vois ce matin, aussi vrai que vous êtes là, il est aujourd'hui par l'Esprit, dans son âme, il est dans la présence de Dieu et il loue le Seigneur. Alléluia! Et nous y serons aussi si on marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout. Amen! L'apôtre Jean donc s'adresse, je le crois, avec affection aux petits-enfants. Et les petits-enfants, dans la parole de Dieu, ici, sont finalement définis. Il y a une définition ou des caractéristiques qui qualifient les petits-enfants. On voit par exemple que l'apôtre Jean dira dans 1 Jean chapitre 2, verset 12, « Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Ce matin, bien-aimés, j'aimerais nous rappeler que nos péchés ont été pardonnés par Jésus-Christ. Qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et même si le diable, l'accusateur des frères, comme dit l'Écriture, cherche parfois à venir nous accuser, à venir nous rappeler les erreurs de notre passé, comme disait quelqu'un, rappelons-lui son avenir. Son avenir n'est pas glorieux, le nôtre est glorieux, amen. Nous célébrons, nous adorons et nous avons raison de le faire.
La Bible dit que Dieu cherche, il demande même des adorateurs en esprit et en vérité. Nous adorons parce que nous avons été rachetés, non pas par de l'or et de l'argent de notre vaine manière de vivre, mais nous avons été frères et sœurs bien-aimés. Il faut que cela, ce soit une révélation dans notre cœur. Nous avons été rachetés de nos péchés, nous avons été lavés de nos péchés, nous avons revêtu une robe blanche et désormais, par la grâce de Dieu, nos péchés sont pardonnés. Vous savez, ça fait du bien de se savoir pardonné par la grâce de Dieu, pardonné par le sang de Jésus, purifié par le sang de Jésus. Et l'apôtre Jean dit, je vous écris parce que vos péchés sont pardonnés, non pas seront pardonnés, mais c'est dans le présent. C'est pas quelque chose que nous aurons plus tard, c'est quelque chose que nous vivons aujourd'hui par la grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ. L'apôtre Jean poursuit et puis dit ceci dans 1 Jean chapitre 2 et au verset 1er, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Et oui, ça peut arriver même quand on a donné notre cœur au Seigneur, même quand on marche avec le Seigneur et même depuis longtemps, ça peut nous arriver de tomber, oui ou non. Mais la Bible dit que le juste tombe sept fois et sept fois il se relève. Ce matin, j'aimerais te dire de la part du Seigneur, ne reste pas sous le poids de la culpabilité, sous les assauts de l'ennemi qui te culpabilise, mais redresse-toi parce que la Bible dit ceci, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le juste, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le sang de Jésus est suffisant pour pardonner le péché de chacun d'entre nous, mais aussi de ceux du monde entier. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, qu'est-ce qu'il fait un avocat? Il plaide, il parle, il se bat, il a notre dossier en main et il plaide auprès du Père afin que nous vivions dans la liberté et non pas dans la condamnation, non pas dans la culpabilité. Je le dis dans le nom de Jésus ce matin, tu n'es pas obligé de vivre sous le poids de la culpabilité. Tu peux dire à Satan, arrière de moi Satan, Christ est mort pour mes péchés, il est ressuscité et il n'y a plus de condamnation pour ma vie. Amen. Amen. Les petits enfants parfois se culpabilisent parce qu'ils ne sont pas entrés dans la révélation, dans la compréhension de tout ce que Jésus a accompli pour eux. Tout est accompli. Amen. Nous sommes sauvés par grâce, non par les œuvres, dit la parole de Dieu, afin que personne ne se glorifie devant le Seigneur. Vous savez, il est dit également dans Jean 4, verset 4, « Vous, petits-enfants, la définition des petits-enfants, vous êtes de Dieu. » Amen. Vous êtes de Dieu. On pourrait parler d'identité. Parfois, on n'est pas sûr de ce que Dieu a fait de nous, mais nous sommes ses enfants. Il est dit ailleurs dans cette même épître, « Voyez de quel amour le Père nous a aimés afin que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Alléluia, tu es un enfant de Dieu. Et il est dit, vous les avez vaincus. Est-ce qu'il y a des vainqueurs ce matin dans la maison de Dieu? Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parfois on se sent petit. On se sent insignifiant, on ne se sent pas apte, on ne se sent pas capable, on ne se sent pas qualifié. Mais la Bible dit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Un petit peu comme David et Goliath. David était un simple enfant, il était à vue humaine, insignifiant. Qu'est-ce qu'il représentait, David? Il était méprisé par ses frères, par son père, il était méprisé par même le roi d'Israël. Il lui dira, Saül, tu n'es qu'un enfant, tu ne peux pas aller te battre, tu ne peux pas, tu n'es qu'un enfant. Mais David savait que Dieu était avec lui. David savait qu'il était de Dieu. David avait reçu une onction royale. Et la Bible dit, vous, petits enfants, vous avez aussi l'onction. Vous avez aussi la grâce. Vous avez aussi le salut. Vous avez la puissance de Dieu. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? Satan. La Bible dit dans la même épître de Jean que le monde entier est sous la puissance de Satan.
de Satan. Mais l'Église de Jésus-Christ, les enfants de Dieu, ne sont plus sous l'autorité de Satan, ils sont sous l'autorité de Dieu. Ils sont de Dieu, tu es de Dieu, Dieu est avec toi et l'ennemi est vaincu par la puissance du Saint-Esprit. Alors arrête de te comporter comme une victime qui vit dans la peur, qui vit dans la crainte, et réalise ce matin que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu es destiné à la victoire. Amen. Tu es destiné à vaincre tes adversaires. Tu es destiné à vaincre tes peurs. Tu es destiné à vaincre ton sentiment de rejet, peut-être. Tu es destiné à vaincre ta culpabilité. Christ est mort pour tes péchés. Bien plus, il est ressuscité. Amen. L'apôtre Jean continue et il donne quelques exhortations. Vous savez, il y a des droits et des devoirs. Et il encourage les petits-enfants de différentes manières. Ce matin, j'aimerais vous encourager, j'aimerais nous encourager à vivre non pas dans les soucis. Vous savez, je sais, je suis conscient, je suis comme vous, hein, je vis sur la planète Terre, on a une grosse semaine également, mais je sais très bien que la vie est faite de plein de soucis. Mais nous ne sommes pas comme si nous n'avions pas un Dieu. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous ne sommes pas destinés à vivre dans l'intimidation, mais à vivre dans un esprit de victoire, de conquérant. Petit, mais pas insignifiant. Petit ne signifie pas faible. Petit enfant, c'est aussi être vainqueur dans cette vie par la grâce du Seigneur Jésus. Amen. La Bible dit, déchargez-vous, bien-aimés, sur lui de tous vos soucis. Vous avez peut-être des soucis ? Bon, en fait, vous avez sûrement des soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Le Seigneur s'occupe de toi, bien-aimé. Le Seigneur s'occupe de ton dossier. Le Seigneur s'occupe de tes affaires. Si toi, tu t'occupes du Seigneur, c'est lui qui combattra pour toi. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Remettez Dieu au centre de vos vies. C'est ça la vraie adoration. Je pense que dans quelques temps, je vais prêcher sur la véritable adoration. Et je crois dans l'esprit que Dieu va véritablement nous faire toucher le ciel quand je vais prêcher là-dessus. On va ciel et terre. Vous savez, Dieu veut... D'abord, on est né... Je ne vais pas prêcher mon message maintenant, je vais revenir. On est né pour adorer. Mais on doit adorer comme on adore au ciel. On doit adorer comme on adore au ciel. Dieu prend plaisir à l'adoration. Et on explorera ce sujet de l'adoration. Mais quand on se décentre de nous-mêmes, qu'on se décharge sur le Seigneur de tous nos soucis, alors on commence à entrer dans une vie de victoire, je le crois. L'apôtre Jean nous encourage donc et nous donne quelques exhortations, le message de l'apôtre Jean aux petits-enfants pour que ceux-ci passent du stade de petit-enfant au stade d'adolescent et au stade de père. Alors il dit ceci dans 1 Jean 2, 28. Alors bon, je vais un peu vite ce matin parce que j'ai beaucoup de matière, mais si il faudrait prendre de la Ricorée ou du Red Bull pour aller vite. Jean 2, 28, et il est dit... Non, prenez pas du Red Bull, hein, c'est pas très recommandé, je pense. En tout cas, peut-être pour les nuits de prière, on va faire 3 nuits de prière, avril, mai, juin, 3 veillées de prière, plus exactement, le Seigneur m'a mis ça également sur le cœur, on vous donnera les jours et les heures. 1 Jean 2, 28, il dit, « Et maintenant, petits-enfants, première exhortation, demeurez en lui. Demeurez en lui. » Afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus, éloignés de lui. Vous savez, on peut être loin du Seigneur. On peut ne pas demeurer dans le Seigneur. Mais si tu demeures dans la parole, si tu demeures dans l'amour, si tu demeures en lui, si tu demeures dans la communion avec le Seigneur, alors même la Bible dit que tout ce que tu vas demander, toutes tes prières, parce que quand on est près du Seigneur, la Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Quand on est près du Seigneur, on désire les choses que lui, il désire. On veut les choses que lui, il veut. Et parfois, il y a des bien-aimés, je les appelle les chrétiens étoiles filantes.
Beaucoup ont commencé avec le Seigneur. C'est vrai pour les chrétiens. Parfois, ils ont reçu l'évangile, ils étaient là, ils ont reçu la parole de Dieu avec joie. Ils ont dit, c'est formidable. Mais la Bible dit qu'ils avaient ils n'avaient pas de racines. Ils n'avaient pas de vie secrète avec le Seigneur. Vous savez, les racines, ça ne se voit pas. Le temps que tu passes dans la présence de Dieu, à méditer la parole de Dieu, mais c'est cela qui fait que tu vas jusqu'au bout avec le Seigneur. Je relisais hier soir, j'en pleurais même, je relisais, j'avais ma meilleure amie qui est partie dans la gloire, elle avait 94 ans, et je relisais tous les poèmes qu'elle a pu m'écrire, et je me disais, mais cette femme était une femme de Dieu. Elle avait une réelle intimité avec le Seigneur. Et à un moment donné, j'ai lu un texte qu'elle avait écrit, « Être ou paraître, ami, c'est facile. C'est beaucoup plus simple de paraître. » De connaître même le langage chrétien. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, on lit des choses comme cela, on déclare des choses comme cela, mais est-ce qu'on les vit réellement? Est-ce qu'on vit réellement? Est-ce qu'on est vraiment conscient que j'ai la vie éternelle? Que c'est une vie de résurrection, que finalement la vie dont Dieu vit, je la vis. Je suis dans la présence de Dieu, je suis participant de la nature divine. Et parfois je suis là, j'ai un rhume, vite j'appelle les urgences parce que peut-être que je pense que je vais mourir. Mais ça c'est moi. Voyez, demeure dans le Seigneur, demeure dans la communion de Dieu, demeure dans la présence du Seigneur. Demeure dans les enseignements, demeure, dit Paul à Timothée, dans les choses que tu as apprises et que tu as reconnues certaines. On est dans un siècle de relativisme où il est presque interdit d'avoir des convictions. On est tout le temps là en train de composer. On a peur même de prêcher la vérité de la parole de Dieu du haut des estrades parce qu'on a peur de froisser les esprits faibles et charnels. Alors que la vérité, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant qui pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Petits enfants, demeurons en Dieu, demeurons comme les sarments sont attachés au cep. Demeurons attachés au Seigneur, demeurons attachés à la présence de Dieu. La Bible dit dans le livre de Job, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Je te le dis, tu auras la paix. Tu auras la paix dans ton cœur, la paix dans ton âme. Tu seras un chrétien constant, un chrétien solide, un chrétien fiable, quelqu'un sur qui on pourra s'appuyer, compter réellement. Les petits-enfants doivent prendre garde également. 1 Jean 3, verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Nous sommes dans un monde de séduction, dans un monde de tentation. Satan n'a pas changé, bien-aimé, et il ne changera pas. Il est toujours celui qui tente, qui séduit afin de détruire et d'emporter le plus grand nombre avec lui. La femme, Ève, dira « Le serpent m'a séduite ». Vous savez, Satan séduit par toutes sortes de moyens, par toutes sortes de stratégies, de plus en plus maléfiques et subtiles. Il nous tente par des tentations sexuelles. Il nous tente par l'orgueil. Par la soif de pouvoir, la soif de paraître. Il peut nous tenter par les biens matériels, par l'argent. La Bible dit que l'argent, c'est un esprit quelque part, c'est un dieu, c'est mammon, c'est une idole. Et nous devons prendre garde à ne pas être séduits par les richesses de ce monde. La Bible dit que les richesses étouffent la parole de Dieu. Les matérialistes, ceux qui sont attachés aux choses de la terre plus qu'aux choses de Dieu ne peuvent pas réellement porter du fruit à la gloire de Dieu. Nous ne vivons pas pour les choses d'ici-bas, nous vivons pour les choses du royaume de Dieu. Nous ne vivons pas pour nous faire plaisir, nous vivons pour faire plaisir à notre Père céleste, pour la gloire de son nom. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Les petits-enfants, il est dit encore une troisième exhortation, 1 Jean 3, 18, petits-enfants,
N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Bien-aimés, n'aimons pas en parole et avec la langue seulement, je dirais, mais en action et en vérité. Il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles à dire qu'à faire. Il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles à dire qu'à faire, bien-aimés. Et nous sommes appelés, comme c'est le nom de notre association, Aimer, c'est agir. Nous sommes appelés à aimer et agir. Je ne crois pas que l'on puisse aimer sans véritablement agir. Quand il y a de l'amour véritable dans nos cœurs, alors il y a des actions. Vous savez, la Bible dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour pour Dieu, l'amour pour notre prochain, ce n'est pas que des paroles. Parole, parole, comme disait quelqu'un. C'est facile à dire, je t'aime, je suis avec toi, mais Dieu attend aussi que nous prouvions notre amour. Vous savez, nous sommes appelés à être les imitateurs de Dieu, et la Bible dit que Dieu a prouvé son amour. Dieu a prouvé son amour. Dieu a prouvé son amour comment ? En nous aimant en premier, mais Dieu a prouvé son amour en donnant quelque chose. En s'offrant lui-même. Jésus s'est offert lui-même. Il a prouvé son amour. Et même à un moment donné, la Bible dit qu'il a mis le comble à son amour. Et il s'est abaissé, il a lavé les pieds de ses disciples. Dieu ne nous appelle pas à nous marcher sur les pieds. Dieu ne nous appelle pas à nous casser les pieds. Dieu nous appelle à nous laver les pieds les uns des autres. C'est là, à nous aimer les uns les autres. Est-ce que je pourrais le dire tout simplement ? À nous faire du bien les uns envers les autres. À nous stimuler. La Bible dit même, excitez-vous à l'amour. Nous sommes appelés à manifester l'amour par des actes. Vous savez, parfois, aimer, ce n'est pas grand-chose. C'était Job qui disait, quand il perdait courage, je leur souriais. Un sourire, ça ne coûte rien à celui qui le donne, mais ça fait beaucoup de bien à celui qui le reçoit. Alors même si c'est dur, souris ce matin. Tu vas faire du bien à quelqu'un. Vous savez, moi j'aime les réunions à l'église quand on arrive et il y a de la joie. Je suis dans la joie quand on me dit à la maison, allons à la maison de l'Éternel. Il y a tellement de gens qui sont tristes, oui ou non ? Il y a tellement de gens qui sont désespérés. Il ne faudrait pas que quand ils viennent à l'église, qu'ils en trouvent encore plus désespérés. Je sais que parfois la vie est dure, je sais que parfois on souffre, mais bien-aimé, j'aimerais t'encourager quand on passe par la vallée de l'ombre de la mort. Si le Seigneur c'est ton berger, tu ne crains aucun mal, il est avec toi, alléluia. Sa grâce t'attend, n'arrête pas dans la vallée, continue, marche, tu vas sortir du bout du tunnel, parce qu'avec le Seigneur on s'en sort toujours, amen. On ne doit pas aimer en parole seulement, mais on doit aimer en action et en vérité. Quand j'étais enfant, on jouait action et vérité. Bon, c'était un peu spécial. Quand on voulait faire des bêtises, action ou vérité ? Va lui faire un bisou. C'est pas ça dont je parle. Hein. C'est vérité, vérité. Mais quand il y a la vérité, il y a des actes. Amen. Et nous sommes appelés, bien-aimés, à être les mains du Seigneur, à être les mains de Dieu. Nous sommes appelés à être les pieds de Dieu. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes appelés à être la bouche de Dieu. Nous sommes appelés à être les yeux du Seigneur. Nous sommes appelés à aimer, à aimer. Et je crois que la plus belle des qualités, bien sûr, du Seigneur, toutes ces qualités sont merveilleuses, mais la plus belle des qualités d'une église, c'est quand on va quelque part et qu'on ressent l'amour fraternel. Peut-être que tout n'est pas parfait, je ne sais pas, la lumière trop forte, pas assez, etc. Mais ce qui compte, c'est qu'il y ait dans notre cœur l'amour de Dieu répandu par le Saint-Esprit. Peut-être que certains d'entre nous, on a besoin d'être ressuscités quelque part, que le premier amour soit renouvelé. Vous savez, un coup d'électrochoc, quand le cœur s'arrête, il faut parfois mettre un électrochoc. Eh bien, que ce matin, le Seigneur te dise, n'aime pas en parole seulement, c'est bien de prier. Mais agis, démontre ta foi, prouve ta foi et va trouver quelqu'un pour lui faire du bien et le bénir au nom du Seigneur. Amen.
Une quatrième exhortation de l'apôtre Jean, je vais arriver vers la fin, il est dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 21, il conclut son épître ainsi, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. » Petits enfants, hey, les jeunes, sans vous culpabiliser, ils vont dire, ah bon, jusqu'ici c'était bien. Les idoles ne sont plus des statues de plâtre, ne sont plus même trop parfois les fausses doctrines, bien qu'il y en ait, il faut faire attention. Mais les idoles, ça peut être aussi toutes les choses qui prennent notre temps, qui dévorent nos agendas et qui nous font perdre nos priorités, ou en tout cas les bonnes priorités de vue. J'en ai un peu parlé, je ne m'attarde pas. Mais je termine avec ceci. Je parle des petits-enfants. La Bible dit, nous sommes tous appelés à être comme des petits-enfants. Peut-être que jusqu'à ici, jusqu'à maintenant, vous dites, mais ce message, il ne me parle pas trop. Moi, je suis un père. Bon, vous savez, comme je l'ai dit, il y a quelques jours de cela, ce n'est pas l'âge qui confère la maturité, mais c'est la maturité qui confère la maturité spirituelle. Ce n'est pas une question d'âge. Et Jésus, par exemple, emploiera cette expression pour parler à ses disciples. Une expression, je crois, chargée d'affection. Une expression chargée d'amour et de bienveillance envers ses disciples, qui, au passage, pour certains, étaient plus âgés que lui. Il leur dira, mes petits-enfants, par exemple, « Je suis pour un peu de temps encore avec vous. » Et bien sûr, Jésus exhortera ses enfants, ses disciples, tous ses disciples, vous et moi, il nous exhorte à devenir comme des petits-enfants, à nous convertir et à devenir simples comme des petits-enfants. Vous ne trouvez pas que la vie est complexe ? La vie est compliquée. Et l'apôtre dira, je crains que vos cœurs ne se détournent du Seigneur et s'éloignent de la simplicité à l'égard de Christ. Hey, sois simple, sois pas compliqué, ceins les reins de ton entendement et demande au Seigneur de te donner des pensées simples. Décomplique ta tête, décomplique tes pensées. Parfois les pensées divaguent. Le psalmiste disait, les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Parfois on pense tout azimut, c'est compliqué là-dedans. Simplifie ta vie. Demande au Seigneur de te donner un cœur d'enfant. Jésus dira, alors que les disciples cherchaient à vouloir paraître, à savoir quel était le plus grand dans le royaume. Mais ça, c'était les disciples, ça concerne personne ici. Qui chante le mieux, qui prêche le mieux, qui sert le mieux, qui est le plus spirituel? Ah, moi, pasteur, il me faut de la viande, je suis spirituel. Matthieu 18, verset 1 dit, « En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus ayant appelé un petit enfant, bon, ils sont à l'école du dimanche, sinon j'en aurais fait venir un sur l'estrade, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Vous savez, l'évangile, c'est simple, bien-aimé. C'est accessible à tout un chacun. Qu'on soit un érudit ou qu'on n'ait pas fait d'études, qu'on soit âgé ou qu'on soit jeune, l'évangile c'est pour tous. Et vous remarquerez, j'ouvre une parenthèse, le Seigneur a souvent utilisé des enfants. Les enfants. C'est grâce à un enfant, à un cœur d'enfant que des foules ont été nourries. Parce que l'enfant ne complique pas, il donne. L'enfant est généreux, amen. L'enfant est généreux, l'enfant pardonne vite, vous avez remarqué, on peut lui mettre une tape sur les fesses, il va pleurer, il va vous en vouloir, mais il n'est pas rancunier. Enfin, ça dépend lesquels peut-être. Mais il va revenir après vers vous et va dire oui, il va oublier. Pourquoi ? Parce qu'il fonctionne bien. Tandis que quand on vieillit, on refoule, on stocke. Et on a des couches de rancune. Laisse tomber l'affaire, va dans la présence de Dieu. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne. Dans le mot pardon, il y a le mot don. Donne, sois généreux comme un petit enfant. Amen. Amen, pasteur Yvan. C'est pourquoi quiconque se rendra humble
comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. L'humilité est en règle générale la marque des enfants. L'enfant a soif d'apprendre, vous avez remarqué, il n'a même pas honte de poser des questions. Mais ceux qui avancent le plus dans le royaume de Dieu, ce ne sont pas ceux qui pensent tout savoir, ce sont ceux qui gardent un cœur enseignable et qui disent « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». C'est l'attitude de Samuel, mais je crois que cette prière, il a dû sans doute la faire toute sa vie. Il était connecté au cœur de Dieu. Un peu d'humilité nous rend grands. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Être humble, c'est ne pas chercher à se mettre en avant. Ne pas chercher à mettre en avant nos réussites et nos succès. Vous savez que même nos réussites et nos succès, ça peuvent blesser des gens qui, eux, ne réussissent pas. Je crois que quand on parle de certains succès, on devrait toujours en parler avec beaucoup d'humilité. Parce qu'il y a des bien-aimés, quand on parle même de guérison divine, « Dieu m'a guéri, alléluia !» Il y a peut-être quelqu'un dans l'auditoire qui est en train de passer par la maladie et qui ne comprend pas pourquoi toi tu as été guéri, tu peux dire gloire à Dieu, alors que lui ou elle souffre dans son cœur et dans son corps. Ne pas chercher à toujours et absolument avoir raison, ne pas vouloir être le premier, être ou paraître. Les petits-enfants croient facilement, ne sont pas compliqués, ils reçoivent. Pourquoi ? Parce qu'il y a une notion de pureté d'âme. La Bible dit que tout est pur pour celui qui est pur. En réalité, souvent, les choses ne vont pas selon nous parce que c'est nous qui n'allons pas bien. Et on fait des projections. Vous savez que nous voyons les autres et les situations au travers des lunettes de nos perspectives. Alléluia. Jésus nous appelle à devenir comme des petits-enfants et même à ressembler à des petits-enfants. Il est dit, alors on lui amena des petits-enfants, je vais inviter peut-être le pianiste à venir, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux, mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Est-ce que tu ressembles, donc on va se mettre debout dans la présence de Dieu, est-ce que tu ressembles à un petit enfant ? Ne les empêchez pas de venir à moi. Un petit enfant ne le force pas pour aller vers Jésus, il vient vers Jésus. Un petit enfant, bien sûr, peut être manipulable, et c'est pour ça que Jésus dira attention si on les scandalise. Mais un petit enfant, dans la prière, c'est formidable un enfant. Il sait que le Seigneur est là. Il sait. Personnellement, quand j'étais enfant, ça n'a pas changé, je sais que le Seigneur est là. Mais quand j'étais enfant, je priais le Seigneur. Et je le priais avec beaucoup de simplicité. Et je savais au fond de mon cœur que même mes pensées les plus secrètes, il les entendait. J'en avais la conviction que quand je prie, Dieu m'entend. Oui, mais pasteur, j'ai tellement été déçu, j'ai tellement prié, j'ai du mal à croire. Un enfant, tu lui dis bleu alors que c'est rouge, il va croire que c'est bleu. Un enfant a une pureté d'âme, il n'est pas compliqué dans sa tête. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, beaucoup de situations, beaucoup même, et la vie moderne a compliqué les choses. Même parfois la vie d'église devient compliquée. L'administratif, beaucoup de procédures, etc. Mais quand on lit les actes des apôtres, c'était beaucoup plus simple que cela. C'était des frères, des sœurs qui se réunissaient et ils avaient droit de le faire. Sans vote, sans bulletin secret. Rien n'était secret. Ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, ils étaient unis, ils étaient ensemble. Alors je sais qu'un enfant, ce n'est pas parfait, bien sûr. La Bible dit « retiens ce qui est bon et abstiens-toi du reste ». Un enfant doit grandir. Et je crois que la volonté de Dieu, c'est que nous devenions comme des petits-enfants, que nous ayons un cœur d'enfant. Mets, Seigneur, dans mon cœur ce matin, des sentiments à ta gloire. Alléluia. Seigneur, nous te prions ce matin pour ton Église. Afin que celle-ci soit ce matin renouvelée, rafraîchie.
Seigneur, je te prie que peut-être quelqu'un est venu et dans son cœur, dans ses pensées, c'est compliqué. Peut-être quelqu'un est venu et vous vous sentez abattu. La Bible dit, ne l'oublie pas, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne te laisse pas faire, ne te laisse pas abattre. Peut-être que tu es venu ce matin et tu te sens sale, tu te sens pas digne, tu te sens rejeté même intérieurement, ton cœur te condamne, mais Dieu est plus grand que ton cœur. Et il veut te rappeler qu'il a tout payé pour toi. Ce n'est ni par force, ni par puissance, dit le Seigneur, mais c'est par mon esprit. Il veut te purifier, il veut te libérer, il veut te pardonner. Et si tu as péché, s'il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas parfaites, tu peux lui demander pardon. N'oublie pas que tu as un avocat auprès du Père et que ton dossier est dans ses mains. Et si la Bible dit que Dieu est pour toi, il n'est pas contre toi, défais-toi de toute forme de pensée accusatrice ce matin. Et loue le Seigneur, libère-toi. Tu es son fils, tu es sa fille. Fais-lui confiance, crois qu'il est là. Il est là ce matin, il est dans sa maison, il est au milieu de nous, pour te bénir, pour te guérir, pour te renouveler, pour t'encourager. C'est ton Père dans le ciel qui veille avec amour sur chacun de tes pas. Et il sait quand c'est trop lourd à porter, il sait quand c'est dur la vie, mais il est là, il te dit, je t'aime, j'ai payé pour toi. Je sens dans mon cœur, il y a des bien-aimés, vous êtes dans une situation bloquée. Les choses n'avancent pas. Et vous vous dites, mais jusqu'à quand, Seigneur? Ça ne change pas, ma vie est un enfer. Et tu te dis en ce moment, peut-être que je ne fais pas les choses comme je devrais les faire. Le Seigneur te dit, ce n'est pas une chose que tu dois faire, mais c'est lié à des choses que tu dois mieux comprendre. Tu as besoin d'une révélation nouvelle, d'une révélation fraîche de qui il est et de ce que tu es. Le Seigneur dit, vous êtes de Dieu. Tu es sa fille, tu es son fils ce matin. Et tu dois prendre la victoire sur tous les mensonges de l'ennemi et te libérer, te décharger sur le Seigneur. Ton pas est lourd, bien-aimé. N'oublie pas que son fardeau est léger, son joug est doux. Ce n'est pas la volonté du Père que tu vives dans la misère morale et spirituelle. La volonté du Père ce matin, c'est que tu montes encore plus haut, c'est que tu t'élèves comme l'aigle et que tu reprennes des forces. Dans le nom de Jésus, sois fortifié. Dans le nom de Jésus, sois renouvelé. Je ne vais pas faire d'appel au devant, le deuxième culte va venir, mais simplement je vais t'inviter à lever la main et je vais terminer par une prière et on va louer le Seigneur ensemble. Seigneur, tu vois ces mains qui se lèvent, tu vois ces bien-aimés qui disent, Seigneur, donne-moi un cœur qui te ressemble, donne-moi un cœur qui ressemble au tien. Seigneur, donne-moi cette foi, cette humilité, donne-moi, Seigneur, de me garder du mal et du malin. Donne-moi une vie pure, mon Dieu. Donne-moi de réaliser que tu es avec moi, Seigneur. Et même si je suis dans le feu, j'en sortirai plus fort. Seigneur, fortifie ton Église, fortifie ton peuple. Dans le nom de Jésus, rends-le pur, rends-le beau, rends-le fort. Renouvelle, ouvre ton ciel, mon Dieu, sur lui, par le nom de Jésus. Sois béni, mon frère, ma sœur. Sois encouragé, mon frère, ma sœur, que la vie du Saint-Esprit, que la vie du Saint-Esprit se manifeste. Alléluia, on peut commencer à chanter. Se manifeste, se manifeste, se manifeste. Oh, manifeste-toi, Seigneur. Étends ta main. Étends ta main. Je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trop.
trompeur. Nous ne voulons pas d'apparence ce matin. Nous voulons être devant toi, Seigneur. Sonde mon cœur. Merci pour ces moments dans ta présence. Merci parce que tu nous as parlé, tu es ici. Et je te prie, Seigneur, de guérir les cœurs brisés. Je te prie de donner des révélations de qui tu es, de qui nous sommes en toi. Je te prie, Seigneur, que le voile soit ôté et que les cœurs soient libérés ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Et si vous êtes d'accord, on dit un grand Amen. Et on acclame Jésus. Alléluia. Amen. On va rester debout. Je suis désolé, c'est 11h, j'étais un peu long. Je vais inviter mon frère Marc, Antoine, si tu veux bien venir, Marc, sur le devant. On va terminer avec notre frère Marc par une dernière action de grâce. Ok, on fait quand même un chant après et puis on loue le Seigneur tous ensemble. Rendez-vous à ce soir, 17h. Merci, Seigneur. Merci pour ton immense grâce qui nous a tirés de cette vie d'esclave pour faire de nous des gens de ta maison. Nous voulons demeurer des petits-enfants avec toute cette mentalité de pardon, tout ce que tu nous as dit ce matin. Mais donne-nous aussi de grandir et de ne pas rester des gamins, Seigneur, mais de devenir des adultes spirituels. Avec cette humilité, on te loue pour ta parole, on te loue pour ta présence, on te loue pour ton Saint-Esprit, on te loue pour ta grâce, on te loue pour tout ce que tu es. Qu'à toi soit toute la louange et la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Chaque matin, ses bontés se renouvellent. Que nous puissions chaque matin de la semaine qui va venir commencer par tourner nos regards vers lui. Vous pouvez t'assurer, Dieu va vous bénir.
7h.